Et puis il y a des endroits pour s'asseoir. Il va ouvrir un peu plus tard, vers 11h, 11h15. Et le restaurant est dans le prolongement. Ah, là, c'est un ancien cours de fer, il y a là que le jardin botanique et le restaurant. C'est tout simple. Hein. Moi, de toute façon, je vous accompagne dans le parc. Merci, un kilomètre. Mais moi, je vais tout le à l'abandon. Lui, il est tombé sur le charme de cette grande propriété du 19e siècle. Parce qu'au 19e siècle, c'est très la honte de faire des parcs à l'anglaise. Vous savez, les parcs avec la forestière, voilà, les petits bosquets, avec des arbres anciens, enfin, qui viennent un peu partout, des petits araignées, etc. Donc, c'est très court. Donc, c'est très, on va dire, romantique. Voilà. Mais cette famille de Bulfard qui a été construite. J'en ai un, moi. J'en ai un petit peu sur la pente, mais c'est vrai. Vous voyez le bruit, il est malade, d'accord, la virale. Et vous allez voir, il remplace au fur et à mesure du bruit malade par l'ilex japonais. Pourtant, il y a un traitement qui est efficace. Oui, ils ont essayé le traitement. Ah bon? Alors chez moi, ça marchait. Hein. C'est naturel. Si vous venez au printemps, vous ne voyez que lui. C'est-à-dire que quand vous êtes au niveau des pyramides tout à l'heure, ça a une couleur flamant rose. Mais c'est mieux.
Ça glisse, craquer. Ouais. Bah oui, mais moi je suis pas lourde. Et je fais des chageries. Oui, Titi. On venait de reprendre. Ça avait été réouvert, débroussaillé. C'est vrai que ça me fait du tout. Et quand il y a du vent, ben ça... Ah, c'est marrant. Ah oui, mais c'est pas un palmier. Oui. Oui, oui.
Identifié comme édifice breton grâce à son menhir de granit et Fougeret par la présence d'un petit cordonnier avec son tablier et son chapeau rond. Qu'est-ce qu'il a dit ? La place des armes, là. À droite, dans le square, se trouve la statue en bronze du marquis de Larouëri, compagnon de Lafayette, initiateur de la conjuration bretonne. Le car est juste derrière l'église, bon. Intéressant, c'est là qu'on découvrait les canons.